Et re les potes, on se retrouve encore une fois avec un objet exotique qui vient d'être partagé sur Instagram. Le message est encore signé de la part de Xur. Avant toute chose, je tiens juste à préciser que si jamais d'autres éléments exotiques sont partagés sur Instagram, je ferai une vidéo plutôt condensée, puisque sinon ça risque de faire beaucoup de vidéos. Euh, mais voilà donc. Pour, pour ce fusil à pompe, là, je tenais à vous faire une vidéo. Donc, c'est bien un fusil à pompe exotique. Il s'appelle The Chapron, tout simplement. En français, ça se dit l'escorte. Donc, vous voyez, c'est un magnifique fusil à pompe. On l'avait déjà vu dans plusieurs trailers. On ne savait pas trop si c'était une arme légendaire ou exotique. Et bien voilà, c'est confirmé. C'est bien une arme exotique. Elle est vraiment mais super jolie. Franchement, j'adore. Donc, elle tire euh, un seul coup. Hein. La, apparemment, la cadence ne, ne devrait pas être très importante. Donc, j'ai traduit le message à droite. Euh, il faut savoir qu'elle accorde un coup de pouce à l'agilité quand elle est équipée, donc un petit peu comme la Mida si vous voulez. Euh, les kills de précision lui accorderont une augmentation. Euh, de la manipulation, euh, du rechargement et de la cadence de tir ainsi que de la stabilité. Donc, vraiment, par contre, les capacités elles sont vraiment pas mal. Je pense que pour le PVP, celui-ci à voir ce qu'il donne au niveau des, des dégâts, mais je pense que ce fusil à pompe là, c'est vraiment euh, un fusil à pompe qui fera mal, euh, qui fera vraiment mal à l'avenir. Alors, par contre, on n'a pas d'idée euh, sur euh, s'il sur fait des dégâts euh, cryo, solaire ou abysso. Donc, ça on attendra vraiment, je pense. Euh, les futurs gameplay ou peut-être la sortie de l'extension pour en savoir plus. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Moi, ce petit euh, Charmande, je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment très joli et je pense qu'avec ces deux petites capacités là, euh, au niveau de l'agilité et après l'augmentation euh, du rechargement, euh, voilà, de la stabilité, etc., de la précision, je pense que ça va faire vraiment, vraiment très mal. Je vous laisse les potes. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Tchuss.